Lakay Haïti.com, gros bonjour, bonsoir pour nous toutes, nous comptons rentrer la caou pour journée lundi, c'est début de semaine, et nous disons un grand merci à tout le monde qui t'a accompagné nous pendant la semaine passée, à week-end, là, et je dis à nous rejoindre nous encore une fois, mesdames et messieurs, pour nous continuer à informer, pour porter toutes nouvelles sans stress pour vous. Bonne nouvelle, gros nouvelle, et la police pral confirmer dans la vidéo ça, précisément, porte-parole, la police là, Gary Desrosiers, mesdames et messieurs, qui pral dit nous, eh bien, qui gros travail que la police mène, eh bien, dans le week-end là, côté yo débarqué dans une base gang, eh bien, gen pou pipiti, 15 à 17 bandits qui tombent, femme kou garçon, la police pas épanoui, et nous pral fotande, commissaire, gouvernement, tout mesdames et messieurs, eh bien, qui pral dit nous, comment ça te yé, qui pral ban nous plus détails, mesdames et messieurs, nous voulons parler des commissaires gouvernement de Koto, mesdames et messieurs, Watson Amol, eh bien, monsieur pral dit nous comment la police mène opération déraciner, démanteler, dégringoler, déchouquer gang dans le pays. Yo dit nous, au kay pa Port-au-Prince, faut que nous tendez ça. Oui, au kay pa Port-au-Prince. Depuis c'est au kay wal monte gangou ou mettre konnen, y a déraciner ou quand même. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est nos vidéos que nous ouais, en pile femme, ni madame, ni mari, la police vide tout à terre. Parce que ouais, nèg yo lié à terre, femme kou garçon, c'est un coup rivé dans l'abattoir. Hein, c'est un coup rivé dans l'abattoir, mesdames et messieurs. C'est pas deux, trois jeunes femmes. Yo pas décidé pour un monde sérieux, yo pas décidé pour un nèg qui pas dans mauvaise affaire. Non, c'est bandit pour prendre parce que yo remet l'argent facile. Eh bien, la police pète fiel tout bandit, ça, mesdames et messieurs. Et dans la vidéo, ça, nous allons faire des Gary Desrosiers avec le commissaire gouvernement Kotoa qui pral dit nous comment ça te yé et pas oublier ou sous TV Lakay Haïti.com. Si vous pouvez abonner ce moment même pour faire ça, pour regarder la vidéo, ça, mesdames et messieurs, pour pas rater un yé dans l'information n'a pote pour vous pendant la journée. Bonne madame, les résultats nous donnent. Ne capte plus un problème, nous débarquons sur le bateau. Bonnet, bonnet. Pardon, bien sûr, quand il va tourner le cimetière, on a guette, maman. Comme ça, ça, j'ai dit. Si vous garçons, vous avez tout madame, nous avons fait charme. Fait laisser. Fait chelou. Fait bonne charme. Mais non. La police, tout le monde est la police dans le monde. Ya, tout bas sous contrôle. Allez, garçon, pas gué madame. Vous une gosse pour charme, voler. Tant à bail un pire problème dans la commune Tiburon. Pour ça, nous allons parler avec le porte-parole PNH Lan, Gary Desrosiers. N'a dit bonjour et bienvenue sur Caraïbes. Bonjour Ferdinand et bonjour tout auditeur auditrice Radio Caraïbe et tout l'Afsalito et la justice au niveau au Caraïbe, spécialement le commissaire du gouvernement et qui est sur cette intervention là. Oui, donc il y a des détails commissaire là-bas, mais nous-mêmes avec le niveau de la police là, et puisque c'est la police de concert avec parquet qui mène l'opération, ça, et qui ça information y aurait en plus, qui ça doit connaître de groupe gang ça qui t'a opéré dans la commune Tiburon. Et justement, et m'a tout simplement pas fait reprendre tout petit commissaire gouvernement dans l'intervention faire parce que en voyant loge ils font présentation de gang là, mais au niveau de la police nationale nous connaît que son gang qui est gagné et temps que les basés dans les hauteurs de Tiburon et dans zone assez vrai black et qui eux-mêmes fait plusieurs actes et plusieurs monde qui victimes même en trentaine au niveau du kidnapping et mais ça eux est spécialisé dans enlèvement, séquestration, assassinat, vol armé, incendie également viol et la police au niveau du sud et depuis samedi et était quitté spatiaux et pour que yo est allé dans fief monsieur yo et pour d'aller éclater le réseau de gang là mais objectif là et faut nous dire que c'est pour nous procéder justement à arrestation monsieur Sao conduit devant la justice et c'est là mission nous au niveau de la police nationale et mais et situation est dénouée échange de tirs avec la police malheureusement gagné et
et d'ailleurs qui a été blessé mortellement, et j'ai commis ces grenades dedans, gagné plusieurs armes qui saisies, gagné otages qui libérés, et gagné arrestation qui fait, et gagné et quelqu'un qui arrive pour la fuite, donc mon qui y a la docteur pour la fuite, c'est un gamio qui continue à faire les offices, et puis donc il est l'homme rache. Alors il est important pour que nous notions que le dernier acte n'est plus déposé, c'est sous un homme d'affaires et qui au niveau des zones ça qui est la guerre et c'est non ni côté que côté kidnappé lui malgré famille. Et Bayranson, le tuyel, et jusqu'à présent, famille en Bayranson, le corps. Et selon toutes les informations que nous avons eues, M. Saoulé, au kidnappé, au papa Bayranson, il a coupé tête pour nous. Et il a coquillé dans sorte de piquette, et de manière pour qu'il soit capable de trouver des signaux pour créer la peur et terreur au niveau de la population. Hein. Et nous capables, ouais, et c'est une population pratiquement qui était prise en otage, parce que et tout de suite arrivé. Et la police et ouais population pratiquement et en liesse côté que et mineur support avec le PNH et nous connaissons garçon dans ça et monsieur ça au côté où t'es localisé ou que t'es basé et yo et t'es fait la loi que t'es fait ça ouvrir mais avec et suite à opération conjointe entre la police et également le parquet et tribunal de PA nous arrivé et éclater le réseau de Gansa, ce qui est le de Gansa. Mm-hmm. Donc, commissaire, là, il a confirmé pour nous que deux premier et deuxième chef là qui étaient sauvés, donc la population est arrivée récupérer yo et tout yo. Mais l'autre problème qui vient dans la zone, c'est que commissariat ou bien sous-commissariat Tiburon n'est pas gain policier. Est-ce que dans le niveau la police là, c'est vrai, le commissaire a dit pas trop longtemps, il a commencé et vous commencez à gain policier. Est-ce que nous, dans le niveau PNH là, il y a des démarches qui a faites effectivement dans le niveau ça pour que les policiers soient capables de retourner dans Tiburon? Et tout à fait, et surtout, et d'abgade hier, même policiers qui étaient venus dans zone sa policier et Goyo, où est que la population n'a pas pu même déplacer, parce que les gens pour la police était avec eux, et nous apprécier justement et détermination ça, et appuyer ça au niveau population, hein, et au niveau logistique, et au niveau commandement, et très certainement, et pour disposition prendre pour que, et s'il y a un travail de réparation, pour au niveau commissariat, et pour que, comme on fait, et pour policier d'attourner, et normalement, pour vivre dans les zones là, et encore une fois, toujours, et pour tes collaborations avec la police. Commissaire Desrosiers, gain une précision tout à l'heure et Georges Valens collaborateur nous correspondant permanent nous t'ai demandé commissaire Zamor et malheureusement nous passer gain des détails que commissaire pas fin ba nous par contre c'est la police même li gain parce que y a une inquiétude en pile monde qui recevoir image ou en pile monde qui au courant de l'information hein, c'est par rapport à l'identité tout le monde qui mourit, est-ce qu'effectivement tout le monde qui tombé dans échange de tir c'est des monde qui soit membre gang ou bien des alliés gang ou bien c'est dans cas dommage collatéral yo gende l'autre monde tout qui pas gagné pour gang qui tombé aider éclaircir si population sur ça. Bon, là non situation là non théâtre d'opération et surtout que identifié yon cellule de gang et côté que d'abord basé et dans les hauteurs et qui pratiquement dominé et toute et bah la ville là et l'arrivée et puis la police mais ça permet de tout que d'abord pour nous c'est la police toute intervention la police en général et c'est arrivé et de préférence pour ces arrestations et présumé bandit ou conduit devant la justice et ça fait quoi point dans intervention nous que je dis que des mondes des bandits ou des présumés bandits qui blessés et mortellement malheureusement. C'est pour nous dire que ce n'est pas pour nous qui c'est nous, ce n'est pas mission nous, justement, tuer, mais nous là, justement, pour, et dans le cadre de travail, non, pour que nous soyons capables d'arrêter nous, de conduire devant la justice, mais le plus souvent, et on dit, lui-même, il est armé, lui-même, les conduirait, les champs de tir, et puis ça conduirait que, et il y a rien qu'on tombe là-dedans, malheureusement. Et pour moi, précis à sortir, hein, et libéralement, justement,
et au niveau parce que dès que même les affaires il y a toujours une investigation qui fait plus et avec surtout le parquet et pour que nous capables de prendre exactement et ça qui passe exactement mais l'essentiel ouais généralement nous savons pas bien pas marcher avec pièce mais ça fait que nous dit la police au niveau de la police qui est plusieurs et qui malheureusement est blessé mortellement. Bien, merci en pile, commissaire Desrosiers. Nous t'es content fait de parler avec vous, mais on va aller, même là, au pas détaillé. Nous apprenons la police était présente pendant le week-end au niveau de Mariani. Il y a des combats qui étaient engagés avec gang Yolot Boa. Et dis-nous comment l'opération s'apprête à poursuivre dans la zone Mariani. Et pas plus tard que hier, nous apprenons que la route était bloquée à hauteur de Merger. Donc, qui dernière évolution qui gagnait selon l'information la police même disposée? On était pris soin, juste par bonne intervention, hein, et matin, dans la radio, dans le boulevard, et pour nous dire le commandant et du SWAT. Également pour me dire tout et commandant qui est chef de l'opération parce que c'est qui tag soit et mot et qui pratiquement engagé au combat au niveau Mariani et nous connaissons que les configurations de ça et avec une population dense qui pratiquement vit la dernière demander une intervention pour, avec un pile stratégie avec un pile d'intelligence et c'est ça tout que ça profite encore une fois en tant qu'aïe pour nous et encore une fois continuer de solliciter et appuyer population marianien hein, et l'autre côté autour dès que l'intervention de la police pour que vous protécoler avec la police pour que vous capable arriver et démanteler ou bien et gratter les zones de Donzano. Et pour le moment, la police est toujours sur place au niveau de Mariani, et chef des opérations team qui est encore là. Et ils sont pratiquement au mode de combat et pour que nous soyons capables de faire face à la situation et de manière pour la population et visible qui vivent au niveau Mariani, capable de battre librement et dans l'activité. Mais dernier saisie qui était faite et de mémoire, c'était difficile que d'arriver et de saisir et de malheureusement deux présumés et bandits. Et merci beaucoup, commissaire Gary Desrosiers, n'a pas appelé aussi porte-parole PNH là. Nous sommes contents de faire parler ça à vous, Mathien. Voilà, nous avons parlé avec Gary Desrosiers. Le commissaire a également qui déjà parlé. Il fallait tout le monde qui sont différentes façons. Radio dans Sud Pays, tant que Radio Léo FM dans Cotin, Radio Télévadise dans Campinet, Radio Sud FM, Radio Télé-Simon International, Radio Méridien dans Côte Sud Pays, Radio Joyce FM, Radio Méridien dans Côte Sud et Radio Boule non justice. Effectivement, Johnny, Jean Ferreira qui est là. Et bien, l'opération que la police a demandé à la justice, le Kénénien Djimouné, hier dimanche, ça fait 3h du matin, permet que, selon la justice, au lieu de m'appeler à Gonta, qui est document Gonfilache, et que c'était office alias Lomrache, tapant dirigé. Donc, dans ce sens-là, nous allons essayer comment la situation est avec les policiers gouvernementaux. D'abord, grande question qui est posée depuis hier, je vais en faire une radio, c'est est-ce que monde qui mourir, c'est des bandits, nous allons ça avec le commissaire gouvernement qui peut mettre à Watson Désir. Mais Watson, bonjour. Et dis-nous, effectivement, avec la question enfant monde qui mourir, est-ce que le truc c'est des bandits qui veulent? Bonjour Georges. Bonjour. Bonjour Aïti. Donc, d'abord, dans une zone qui c'est dans Wos, qui c'est troisième section communale, Tibiron. Donc, son zone d'accès difficile. Ça, il te demande nous en pile, pour nous te courir machine pendant un bon moment, et après ça, pour nous taper marcher pendant plus que 4 heures. Et ça, c'est vraiment impraticable, difficile, traverser les rivières, marcher dans de l'eau, etc. Et certainement, nous devons
nous avons déplacé dans le 10 heures qui était au taille, nous avons arrivé dans les 6 heures du matin dans la fièvre d'un an. Côté que le réseau, parti dans le gang, il était refusé de. Dans un monde, parce que quand il y a un monde, il était l'ouvre coup de zame pour monsieur la police. Et peut-être que la police était ripostée. Dans les 100 jours, il y a eu des blessés mortels. Donc, nous, là, d'ailleurs, nous comptons des femmes. Et ensuite, chef gang qui fait office avec deuxième chef gang qui fait cause. Nous-mêmes, nous sommes blessés dans le moment de combat. Malgré ça, nous sommes arrivés quand même sauvé avec Zamio dans le monde. Donc, c'est difficile pour te contourner grosse bonne ça motel pour continuer à poursuivre. Et ce n'est pas un territoire nous connaît parce que nous même quand la domicile, ça te vient rendre bagaille difficile pour nous. Mais combat malgré le TCOS, avec professionnalisme, la police, nous t'es arrivé quand même. Mais depuis hier, nous constatons qu'il y a un pile fonctionnement par rapport à l'image qui a circulé dans le côté présent. Comme quoi, il y a un pile de monde ça y est. Il y a des doutes, même en tant que commissaire gouvernement, vous êtes sur place avec le juge de paix, vous avez fait constat également. Est-ce que ensemble de monde, ça y est, des identités qui t'a fait croire que de toutes ces gangs, effectivement? Oui, certainement, parce que dans le combat, on va prendre la différence de qui est-ce qui est femme, qui est-ce qui est garçon. Et l'échange a fait, vraiment, monsieur, il lance à toi au niveau maintenant, sur monsieur la police, yo. Eh bien, l'autre jour, on avec soirée les âmes créoles, etc. Donc, on y a, nous prenons piège. N'a pas échangé, ça, nous pas de cas. Nous, debout dans l'espace là, c'est coup de âmes qui a tiré. Je suppose que c'est. Eh bien, supposé, non, exactement, tout le monde sait, c'est bandit, oui. Et, ça, plus important pour nous, il y a un otage qui est libéré, il y a des arrestations qui font tout. Et par rapport à l'arrestation qui fait, par exemple, il y a qui fait quoi que c'est sous menace, bandit, comme quoi il était dans une zone là, soit pour madame ou autre chose. Est-ce que, effectivement, dans un rapport ou bien un questionnement nous par rapport à Mounsayo, c'était comme quoi des mounes qui étaient en otage pour foncer comme madame bandit? Non, bandit, gagné madame deuxième chef gang là qui c'est 11 qui a arrêté. Et bon gagné le chat c'est madame, oui. Donc pour façon pour nous dire ça c'est possibilité nous te gagner les batailles là s'il veut nous vivre dans le niveau que nous ca faire pénétration normalement nous protéger tout ça nous protéger tacter plus important pour nous c'était otage yo donc protéger nous te sain et sauf. Nous devons arriver à ça comme victoire parce que otage ne pas te laisser, nous devons tuer. Alors, nous connaissons que Tibiouan, c'est la dernière commune au niveau du département du Sud. Nous parlons des âmes qui saisissent, en pile d'âmes. D'abord, quel type de âmes que vous voyez et qui côté des âmes avez à sortir? Les âmes, parmi nous, nous avons trois manches longues, nous avons une bise. Gen am de point, gen stanoure le zam kriol yo, gen d'autre zam artisanal ki sezi. Gang sa, se yon gang ki ta popere, ki gen liye avèk d'autre gang ou nivou de la kapital ou bien se yon neg nan zon nan, selman ki te la den? Bon, yon nan bagay, mwen men mwen konen, mwen panse nou konen tou, gang sa, yes ki te a la tèt, mon idée à la tête là c'était Belanger. Belanger l'a vu mourir en échange dans l'affrontement dans la capitale là.
côté que Bélanger salté avec nous, madame Amel Abdana qui a arrêté déjà. Et le Bélanger mouri, Tatiana va faire un frère que lui-même lui fait, lui instruit dans l'activité ça yo. Prend la relève dans place Tatiana ça c'est lui-même qui te compte faire liaison entre gang ça avec gang village de Dia dans question acheter munitions. Et dit qu'on a acheté munitions pour nous, même si il y a l'autre monde encore, c'est qu'on fait activité ça. Est-ce que son gang est capable de détruire ou bien complètement à moitié, comment? Il est retranché. Vous avez dit qu'il y a toujours gagné des prisonniers bandits qui sont dans la nature. Il est capable de s'en. Même si tu as gagné dans la nature, c'est difficile pour te régénérer tête. Et moi-même, je déclare avec nous, tout autant là, pas bien des autres. Et depuis la police m'a dit ou déposé, et moi, je regrette ça parce que j'ai bien souhaité que les pas de bien affrontement pour ne pas déposer les gens pour tout le monde est arrêté. Et moi-même, ça t'a pris un plus gros victoire. Parce que des jeunes, côté que, pour ça, je pense après, je te caille et nation. Donc c'est pas dans la condition ça pour être péri. Mais dans le sujet que spécialisé dans la tiche exactement kidnapping, vol, quoi. Et certainement, groupe ça est spécialisé dans la kidnapping monde, vol les affaires monde. Parfois les messieurs ça yo débarquent en côté, ils se mettent la terre côté monde, ils boulent les cailles monde. Bon. Avec tout, nous connaissons zone côte là, son zone qui vit de pêche, de agriculture. Mais si vous pas quitter jardin moun yo en permanence et puis pêche moun yo, vous faites la loi. On a dit que vous avez un rendez-vous pour manger un bœuf. Et chaque semaine pour vous vendre plusieurs. Et ceci, pendant que vous avez un travail sur ça, vous avez un monde qui t'a rendu en France. Avec gang ça, les consacres changés en nous pour nous dans les oreilles de cela. Pour nous avoir. Donc, nous avons une salle également. Alors, nous connaissons au niveau de Tiburon, c'est là que gang est établi, mais souvent, il y a des actes de terroristes, on est capable même de dire au niveau de certaines sections, au niveau des Anglais, paquet au couteau. Est-ce que nous avons déjà à préparer des opérations là, en façon comme ça éliminer un monde qui a pas de problème là-bas? Nous ne pouvons pas éliminer le monde. Nous-mêmes. Et nous ne pouvons pas instruire comme ça, nous ne pouvons pas éduquer comme ça. De préférence, société à paix, communauté, Tiburon, les Anglais, nous avons besoin de la paix tout. Et par tous les moyens, il faut que la paix a fait. Si nous savons, il n'y a pas de la paix. Donc nous-mêmes, nous avons intervenu dans l'intervention depuis qu'il y a échange. Donc, toujours, à bien des dommages qui nous coûtent et ça fait d'abord, il y a une possibilité pour nous faire mieux. Pour ne pas utiliser contre la population vraiment. Et puis, rendre tête dans le commissariat. Maintenant, pour moi. Pour nous, nous avons un tribunal, nous avons construit le pays, un capitaine de Wallistan, et une garantie qui gagne est que gang comme ça, pas prêt à la remonter, et en plus, avec les policiers, nous connaissons pas gagné au niveau du commun tribunal. Il y a une garantie que tout le monde est là, nous mettons dans la paix, pas de désordre. Et puis, bientôt, nous avons rétabli le commissariat dans le tribunal. Okay. Donc, on dit bientôt, ça veut dire, dans combien de temps avant ça? Pas longtemps, parce que disposition a été prise en prenant ces problèmes carburant qui étaient faits, non, en fait, réaliser ça comme objectif. Donc, comme je disais rapidement, nous avons écrit que c'était installé, ces premières opérations en bas, et déjà, comment ça y est pour la prochaine période, puisque nous connaissons ancien commissaire, été reproché de l'empile, de l'inactif. Maintenant, 11 semaines après, disons, 11 jours exactement après l'installation, comment ça y est? Bon, nous connaissons, il y a des problèmes, pour que on va parler avec vous là, même pas de machine.
Je pense qu'on a un agent de sécurité. Et sauf que c'est volonté nous gagner, nous voulons travailler, on a travail. Mais déjà qu'il y a qui est clair. Nous déjà des bureaux. Comment? Est-ce que vous avez déjà des bureaux en bas? Et oui, moi j'ai un bureau, sauf que tant qu'on ancien commissaire là, il n'y a pas qu'on fait inventaire. Et bon, la tente, ça fait. Et merci. Allô, allô Valens? Oui, oui. Oui, alors je vais demander au commissaire là, parce que on détaille bah, tout à l'heure concernant premier et deuxième chef gang. Non, est-ce que yo sauvé, yo mouri, qui s'est arrivé exactement? Non, n'a pas eu une série d'images qui est un petit peu atroce qui partage sur les réseaux. Et yo t'ai blessé dans mon combat, yo t'ai sauvé, mais yo t'ai réfugié au caillou gangan dans la population qui est renseignée sur yo, population. Et pas assez joué, en fait. Ok. À moins de ça. Au gain non, premier et deuxième chef gang. 11. Pardon? Office avec 11. Office, c'est le premier chef là. Ah, ok. 11, c'est le deuxième là. Ok. Donc, tout de mots, ils avaient dit son gang là qui démantelé. Certainement. Voilà. Mais merci un pile, Valens. Merci, alors je dis à la tour, on gagne l'hôpital général Lokai qui est entré dans la deuxième semaine de vie guerrier, puisque l'hôpital l'a fermé complètement. C'est employé qui gagne 3 jusqu'à 30 mois qui a pas réclamé à ce que l'État paye. Donc ça veut dire que pas absolument rien qui fonctionnait au niveau de l'hôpital là, d'ailleurs il n'y a pas de possibilité pour entrer. Donc monsieur est entré dans la deuxième semaine yo, et je dis à nous apprendre que gagne une rencontre qui est capable peut-être pour qui ça d'ici la semaine là, ou bien l'autre semaine pour que l'hôpital soit capable de commencer à fonctionner. Voilà, mais merci un peu Georges Valens, correspondant permanent nous, qui t'a informé nous depuis Okai, département sud pays en concernant opération Sila, la police de concert à parquet Koto Menin, et c'est hier dimanche là côté gagnant et environ yon vingtaine bandits qui ont même tombé dans l'échange coup de Zamak. La police gagne 3 monde qui arrêté et gagne 3 otages qui ont même libéré pendant opération ça. Qui ça non doué connaît de gang ça, qui ça la police disposait comme information de groupe gang ça qui depuis quelque temps t'a bay un pile problème dans commune Tiburon. Pour ça nous pral parler avec porte-parole PNH là Gary Desrosiers. N'a dit bonjour et bienvenue sur Caraïbes. Bonjour Guerrier, bonjour Ferdinand et bonjour tout auditeur auditrice Radio Caraïbes et tout la salle tout et la justice au niveau au Caraïbes, spécialement et le commissaire du gouvernement et qui et cette fois intervention là. Oui. Donc, il y a des détails commissaires là-bas, mais nous-mêmes avec le niveau de la police là, et puisque c'est la police de concert avec parquet qui mène l'opération, ça, et qui ça information en plus, qui ça.